Hey les amis et bienvenue sur Français Gaming et on se retrouve sur RCT3 pour l'épisode numéro 4. Nous avons été entrepreneur apprenti, maintenant nous arrivons à mania, donc excitation minimum sur 4 montagnes russes, donc on en a que 2 déjà. Voilà. On n'a pas testé ce montagne russe, je vais le tester. On va le tester les amis, voilà, on teste déjà, ouais, bon, hein, voilà quoi. C'est la vie, c'est le destin. C'est le destin de Lisa. Allez. Youhou! Coucou tout le monde. Wouah. Oh là là. Waouh. Oh. OK. Il est cool. Cool Raoul. Allez. Donc on va mettre quand même une. Alors, j'ai vu dans le précédent épisode, attendez, on va voir l'aspect des gens, qu'est-ce qu'ils en pensent. Promenade. Et pourquoi ils sont pas contents? Alors, soif et faim, oh là là, c'est vrai que là, y a rien pour les faire manger, y a rien du tout. Alors, donc on va acheter un grill. Ici. Même on va mettre deux grilles. Un à côté de l'autre. Et on va mettre deux. Un rugby. Et une limonade. Oh yeah. Là ils ont pas soif. Là ils vont pouvoir dépenser de l'argent. Hein? Vous allez dépenser. Dites-le moi que vous dépensez. Ah, les gens ils sont contents. S'ils sont contents, c'est bien. Non, je m'en fiche, je veux juste leur argent. Non, je rigole. Rien. Oh, t'as quand même beaucoup de sous, toi. Tolérance nausée, très élevée. Temps de parc, nanana. Tolérance nausée, faible. Oula. Oulala. Y'a des gens qui sont pas très contents, hein. Ils ont surtout faim et soif. Oh, il y en a, ils vomissent par terre comme ça. Ce sont des gros cochons. Ah, c'est bon. Ah, et les WC, tiens. Ben, ils vont payer. Vous allez payer 10 centimes. On va encore mettre des WC pour 10 centimes. Ici c'est vraiment le coin paye. Hein. Voilà, payez, donnez-moi tout votre argent. C'est rentable. Allez. 65. Ça va, on gagne de l'argent. Donc c'est pas ça le plus important, c'est de faire un troisième attraction. Et là on va pas le créer, puisque faut bien qu'on laisse un petit peu de marge. On va pas le créer puisque dans le dernier épisode on a créé beaucoup. Et je vais vite un petit peu avancer, voilà. Faut un peu avancer dans la vie. Leur excitation. Nanana.
va le mettre tout simplement. J'ai pas envie de casser le décor. Vous manquez de liquidation. Et ça coûte combien ça? Combien coûte ça? Ça sent les crêpes, ça sent trop bon. Oula, oui, je suis vraiment en déficit. Oula, oui. Allez, donnez-moi tout votre argent. Puisque vraiment, j'en ai besoin pour acheter un nouveau montagneuse pour vous. Pour vous, les amis. Soyez heureux. Meilleur rapport qualité-prix. Ben oui, hein. Vous savez, moi, je suis chef d'entreprise depuis plusieurs années. Re les amis, donc on est parti. On gagne de l'argent. Il y a de plus en plus de visiteurs dans le parc, donc ça fait plaisir. J'ai jamais regardé. Ah ouais, c'est vraiment le désert du Sahara. Je me demande comment les gens ils entrent. Je sais pas où ils habitent. Il n'y a pas d'endroit. On sait pas où. On sait pas où ils viennent. Voilà, on sait pas où. On attend les 3000. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on a qu'à regarder, hein. Alors, toi, t'es pas vraiment contente. Pourtant, t'as faim, t'as soif. On achète une infirmerie, voilà. Pour éviter, voilà, les problèmes. Non, le chat! Il y en a marre que tu sors! C'est joli ici en plus. Waouh! Ce parc est trop sale. J'ai soif. Est-ce qu'on me voit là? Toi, t'as pas d'avis. Tu t'en fiches. Il y en a qui ont des coups de soleil, mais affreux, hein. Je me demande comment ils ont des coups de solaire aussi. Y a pas de truc pour les trucs. Ah, mais tiens, on peut acheter un chapeau western. Non, c'est bon en fait. Oh, ils sont bloqués. Trop marrant. Attendez. Lol, il y a du monde. Ils sont bloqués comme ça. Voilà, vous êtes plus bloqués. Oh, ils sont tombés, les pauvres. Ah oui, il y a énormément de vomi par contre là. Nettoyeur. On va en prendre un autre. Non, on va pas en prendre un autre. Oh, s'il vous plaît, vomissez pas là. Non, non, non.
Je suis sûr il est en train d'arroser les plantes. Non, il nettoie. Bon, on sait jamais, hein. N'arrose pas les plantes. Ah, mais parlez pas. Ici, il y a du caca partout. Oh là là, ils sont dégueulasses, les gens. Non, 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 non. Vomissez là. Voilà, merci, fille. Il faudrait le nettoyeur. Ici c'est vraiment sale par contre. C'est vraiment très sale même. C'est très très sale. Il y a déjà eu du monde. Iha. D'accord, le mec il attendait ses amis. Dakodak. On entend l'argent, mais il n'y a toujours pas le nettoyeur. Ah, il est là! Non, 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 mec! Oui! Ça, c'est un bon. Bon, t'as pris énormément de temps, mais c'est bien. Au moins, tu bosses. T'as bien vomi. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Il nettoie tout. Allez, nettoie tout ça, mon ami. Dommage qu'on peut pas faire payer l'entrée du parc. Il faudrait quand même qu'ils payent l'entrée du parc, les gens. Voilà, donc on attend un peu. L'attente est extra longue. Hein. Oh là là. Oh mince. C'est cassé. Ah non, c'est pas cassé. J'ai cru. Venez admirer notre nouveau parc. Entrez. Oh. Il nous faut un réparateur. Monsieur réparateur est là. C'est bon. Il fait chaud, dis donc. Il fait 27 degrés, hein. On regarde les gens qui entrent. Sont contents. Ils vont nous donner tout cet argent dont on en a besoin. Alors, quel manège nous tire le plus de revenus? Bénif Hebdo. Popularité. Mission dans le mine, c'est le. Jambe dans le ville, c'est le plus populaire. Satisfaction, ils sont tous satisfaisants. Total client, dynamite dans... Ouh! Ah oui! Pourtant... Je savais pas. Durée fil. Non, fiabilité, on s'en fiche. La durée de la file d'attente, 2 minutes, 1 minute, 1 minute, 0. Bon, c'est pas trop la mort aussi. Temps HS. Ah oui. Préféré des visiteurs, c'est jambes dans le vide. Bon, d'accord. Ah ouais, c'est quand même chaud avec mission dans la mine. On sait pas trop. On a un qui préfère hurlement dans la mine, quoi. C'est tout. Situation. Hurlement dans la mine, y a qu'une personne.
36 personnes. Waouh, il y a énormément de monde, quoi. Toi, t'es où? T'es pas en bas? Ouais, je crois que toi, tu nous gagnes rien du tout, même. Bénéfice prévu, waouh. Meilleur rapport qualité-prix, pourtant, lui, je sais pas, il ne fait pas du tout rapporter d'argent. Celui-là, ouais. Celui-là, idem. Et celui-là, faut surtout que je clique bien. Celui-là aussi, il nous rapporte de l'argent. Donc voilà. Moi, je veux vraiment des attractions qui nous rapportent de l'argent. On va regarder le prix donc du petit truc. Sorry. 3681, on y est. C'est bon. Ta 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 ta. Ok, parfait. Voilà, ici. Par contre, toi, tu vas nous coûter 4 euros. 4 euros d'argent, ça fait plaisir. L'entrée est chère, mais... ça vaut le coup. Aussi, je les place mal, mes attractions. Donc, bon. Attendez. Attends. Peut mettre combien de voitures? Peut en mettre 6. On a fini le jeu, les amis. On regarde juste cette attraction. Waouh, trop bien. En fait, faut que des gens entrent, ils payent, quoi. Oh. Bon, c'est fini, les amis. Bon, voilà, on a fini ça, c'est bon, hein. On l'a fait, c'est fini, on a tout remporté. Allez, on va sauvegarder, bam. Sauvegarder la partie. My game. Voilà, ensuite on sort. Ok. Voilà, on a fini. Ruée vers l'or. Drapeau à damier. Bon ben les amis, on se retrouve pour un prochain épisode. Merci de m'avoir suivi les amis. On se retrouve à la prochaine. Bon ben je viens de le dire mais c'est pas grave. Et à ciao tout le monde.